avoir la même télé, ça c'est quelque chose de plutôt beau dans une ville BMX. Et pour l'instant, ils ne sont pas trop mal embarqués. Il y en a un qui est troisième, c'est Nicolas Pablo, et sixième, car c'est Mathéo Boyer qui est pour l'instant aux avant-postes. Nicolas Iglesias est à la deuxième place. Il y a en troisième position avec une certaine à Pablo Iglesias. Avec une télé, ça sera trop difficile pour lui d'aller en finale, car c'est Malo Duhar qui va se qualifier probablement pour la finale, puisqu'il est en quatrième position. Et il va devancer son père, Ronaldo Duhar. Voilà une demi-finale pour les fils avec la famille Iglesias et la famille Duhar. Et il y en aura un de chaque famille en finale. Allez, la deuxième demi-finale de cette catégorie, 13h, 39 ans et moins, au plein centre de la piste, Valentin Concalves, qui semble pouvoir prendre avantage ses chaussettes, alors que derrière, on lance la poursuite avec, enfin, entre autres, Bastien Rigny et Elio Trévillard. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans le premier virage? Oh, oui, il est radieux, et maintenant, c'est un peu là, il est bien fait, et c'est un peu. Et c'est tout simplement Elliott, le résident, la deuxième place qui revient maintenant à Franceville avec Christian Gilles. Et on attaque également pour la prochaine place avec Romain Ricard en 27e position pour Nicolas Lelacque. Ah, malheureusement, là, il y a eu un gros choc sur le premier virage et qui ne permet pas au pilote maintenant d'aller faire une qualification. Et il y a bien évidemment beaucoup trop de repères et donc la victoire de Elliott, le résident pour le club de Montréal, de gens qui